Bonsoir. Eh, bon, il est tard, hein. Il est quelle heure même chez nous en France? Appelez Guigui Guillaume le Paflo. Regardez l'air qu'il fait. Oh, frère. Solo. Allez, Soro, oui. Appelez Soro pour moi. Regardez le qu'il fait à Paris. Hein. Soro. Hé, voilà. Non, mais Soro, vraiment. Les gars, là, il faut rien, quoi. Là, je suis dit, mais... Catherine Goulet. Guillaume Soro. Non, vous ne dormez pas, à peine, même pas une seconde, vous êtes plus de ça déjà connecté. Vous avez mis à firager. Bon, Soro. Guillaume le Paflo. Guillaume le Paflo. 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 Soro, pourquoi tu fais ça? Guillaume Soro, parce que tout le monde est illettré comme son blingué là. Il se croit dans un dessin animé. Quoi est la tradition des Soro? Madou Kiki, mon frère, bonsoir. Bonjour, bonsoir. En tout cas, il est minuit passé. Soro Guillaume. Et Allah. Mais c'est à ceux qui parlent Koyaka dans la voiture, là. Ça, eux, tu peux raconter des salades comme ça. Sinon, c'est pas à nous autres. Attendez, je vais lire. Mes amis, on va lire son texte. Et Guillaume. Guillaume mandait. Ce nouveau a tellement peur des prisons. Il les vend tout seulement. Guillaume Soro, y a quoi? Faut arrêter les mensonges inutiles là. Hein. Guillaume dit quoi ici? Il dit, on va lire, hein, communiqué des générations et peuples solidaires. Bon. On n'est pas de la même génération, là, nous. Tcha, là aussi. Soro, Guillaume, toujours porté disparu. Ah, ça, c'est juste sa part. Non. Soro est né. Quoi? Soro, Jim. Soro, Denis Trouna, Denis Trouna, Denis Trouna, Soro Trouna, Soro Trouna, Soro, pourquoi tu fais ça? Oh, les gars, là, c'est un voyou, quoi. Vraiment, mon Dieu, c'est quelle classe politique, ça, là? Mbarakata. Des bras cassés, pieds cassés, bras cassés, petit pied, petit vieux. Soro dit, Soro écrit sur sa page, il dit qu'il a disparu. Donc il fait votre commission. Hein. Soro dit qu'il a disparu. En tout cas, nous, Soro dit qu'il a disparu. Soro, Guillaume Soro, toujours porté disparu. Guillaume Soro, ancien premier ministre. Il précise qu'il est ancien premier ministre.
ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et président de Génération et Peuple solidaire, censé atterrir à l'aéroport international d'Istanbul aujourd'hui à 11h35 à partir du vol TK 717 de Turkish Airlines, dans lequel il a embarqué, n'a jusqu'à présent donné aucun signe de vie. Nous appelons officiellement les autorités turques et ivoiriennes à faire la lumière sur cette affaire grave. Une cellule de crise est mise en place. Page. Il dit, quoi, Moussa Touré? Voilà un autre plaisantin aussi. Vraiment, c'est pas possible. Donc, Soro, l'avion a disparu en l'air. Parce que tu dis, l'avion n'a pas atterri. Donc, toi, tu étais seul dans l'avion là. Faut respecter les gens. Tout le monde n'est pas droit, moi, doué. Faut respecter les gens. Il y a des les amis, son communiqué même donne la paresse. Faut nous respecter, faut respecter les gens. Donc, toi, quand toi-même tu lis ce que tu as écrit sur ta page là, l'avion là est resté en l'air. Vous avez entendu qu'il y a un avion qui a disparu d'ici en Europe parce qu'il a décollé d'où ton avion? Il a découlé de quel aéroport? Il faut nous respecter, hein, Soro. Vous êtes en train de rire, mais Soro se fout complètement de nous. L'avion a décollé de quel aéroport? On n'a pas entendu qu'il y a avion, qu'il y a eu crash d'avion. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu cran dit crash d'avion. On n'a pas entendu que l'avion a disparu. Donc, toi, tu étais dans jet privé. Parce que tu as donné les références de l'avion. Et... Tu quittais où pour que, franchement, Chang le dozo, merci. T'as tu quittais où? Eh bien, il a quitté quel aéroport? Avion n'a pas disparu. On n'a pas entendu accident d'avion 2 jours pour dire qu'il y a eu crash d'avion. Quand on dit crash d'avion. Toi, ton avion qui a disparu en l'air des radars, là, et puis on parle pas de ça. Il faut arrêter. Tout le monde n'est pas ton élément qui parle de Koyaka dans la voiture, qui mange chocolat, des leaders. Tout le monde n'est pas comme ça. Il faut nous respecter. Pas flotteur. Pas vous dire, est-ce que ce passeport n'est pas périmé? Faut respecter les Ivoiriens, arrête ça. Hein. C'est-à-dire que tu as un comportement d'Arafat. Il faut qu'on parle de toi en bon ou en mauvais, on a parlé de toi. On t'a oublié. On ne sait même pas où tu es. Donc tu cherches, tu fais buzz. Ton faux buzz là. Faut arrêter ça. Toi aussi, t'es dans le Ivoirien, mais son politicien ou son personnalité ou son chômeur ou tout, ils sont tous même du pareil au même. C'est quoi ça? Il faut respecter les gens. Mes amis, on est en train de rire, mais il faut expliquer à nos jeunes frères qui ne comprennent pas le fonctionnement des États, il faut leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre. J'ai vu le communiqué d'un certain monsieur Touré, Moussa Touré, qui est le communicant de Guillaume Soro. Lui, je vais venir sur lui un peu. Monsieur, lui, il négocie. Vous qui suivez Soro, là, moi, je suis en train de vous donner maintenant ici, là. Soro, j'ai dit, t'as tout trouvé. Comme il y a un buzz de Tiam, mais Jean-Louis Billon, là. Soro veut exister, il dit, son avion a disparu. Il
Et quand ils ont sorti, CV déjà lui bio là. De son CV est rempli. Hein. Quand Soro a vu, il dit, hey, Audrey, que moi là, je suis mort dans le film. Quand on va sortir pour Soro là, on va mettre CV voyou, bandit, voleur, braqueur de banque, chef rebelle. Pour ça, lui, bio, c'est pas comme ça, ils vont prendre pour Tiam, grande école, petit-fils de Oufoué Boigny. Pour Soro, là, c'est. Le CV de Soro fait pitié. C'est pour ça qu'il a mis ancien premier ministre, ancien président. Baba, tu es fini. Tu es un ex. Soro, c'est un bandit. T'es un bandit. Bon, mes amis, on va parler peu, on va parler vrai, et puis on va se laisser. Parce qu'il est temps. Soro Diom, dans le communiqué de M. Touré, Moussa Touré, il parle d'extradition. Vous savez, on a deux États. La Côte d'Ivoire est un État. La Turquie est un État. Quand on parle d'extradition, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un État lance un mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international qui est lancé, là, quand c'est pour génocide, au crime de guerre, la juridiction qui juge la personne dont on a lancé le mandat d'arrêt, là, c'est la Cour pénale internationale qui juge la personne. Quand on parle de crimes de masse, par exemple, dans le cas de Psoro, la juridiction, c'est-à-dire que la justice ivoirienne peut dire que c'est elle qui va juger Psoro. Le mandat d'arrêt qui est lancé, là, contre Psoro, là, c'est à l'appréciation de l'État de Côte d'Ivoire, comment les faits seront qualifiés. Si l'État de Côte d'Ivoire dit qu'on n'est pas compétent pour juger ces faits, l'État de Côte d'Ivoire saisit la Cour pénale internationale et d'ici l'Europe, là, quand on met la main sur Soro, là, on le traduit directement à la Cour pénale internationale. Mais si la Côte d'Ivoire dit qu'elle est compétente pour le juger, on demande ton extradition. Mais comment ça se passe? On ne peut pas t'extrader, on ne peut pas se lever comme ça. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas se lever pour prendre des policiers pour débarquer dans un État là, en Turquie pour dire que ça va attraper Soro en Turquie. Mes amis, soyons sérieux un peu. On parle quand même à des personnes qui ont quand même un petit niveau d'études. On n'est pas tous des abrutis. On n'est pas tous des illettrés. Même il y a des illettrés qui ont la culture, qui sont cultivés. L'école, là, c'est l'instruction. Mais la culture, c'est cultivé, là. On peut ne pas aller à l'école et puis avoir de la culture générale. On apprend. C'est ça, on dit autodidacte. Il faut respecter les gens, Soro. La Côte d'Ivoire ne soulève pas des policiers ou des gendarmes en Côte d'Ivoire pour dire, police des frontières, allez-y en Turquie. Attendez là-bas, quand l'avion de Soro atterrit, attrapez-le puis ramenez-le en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça. La Turquie est un État indépendant. La Côte d'Ivoire va se lever, prendre des policiers. Oh, ça ne se passe même pas comme ça. Si la Côte d'Ivoire envoie la police en Turquie, mais Soro Diom, tu vois que. En fait, on a rigolé parce qu'on va rire. Mais ce genre de comportement démontre que tu n'étais même pas à la hauteur de la mission de premier ministre qu'on t'a confiée. Tu n'étais même pas à la hauteur de président de l'Assemblée nationale, de l'institution même où tu étais à la tête. À la tête de la rébellion, oui, parce que c'est des vagabonds, des voyous, des braqueurs, des voleurs. Tu peux être à la tête de ça. Mais tu peux pas être à la tête d'une institution étatique. Si tu ne sais pas le fonctionnement des choses, frère, moi, je te parle en tant qu'une sœur. Vraiment, là, je te parle en tant qu'une sœur.
Si tu n'avais pas relayé ces inepties, tu t'as pas relayé pour parler de ça. Tu considères que M. Touré, lui, est en train de chercher sa route pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, là, il appelle un peu partout. Il négocie en bas, mais il ne te dit pas. Il ne dit même pas à tes sympathisants, il ne leur dit pas. Moi, j'ai dit, il négocie, il demande pardon aux gens, ils n'ont qu'à l'aider à rentrer au pays. Monsieur tout Moussa Touré. Soro est devenu comme Ngomi. Chacun s'en a payé pour faire son sacrifice. C'est comme ça Soro est devenu pour eux tous. C'est malheureux. Regarde comment ta vie est devenue aujourd'hui. D'euros, tu es descendu à zéro. Parce que tu t'es entouré des gens qui t'ont nui, qui t'ont accompagné dans le gouffre. Des héros, t'es devenu zéro. Et ça, quand on parle de ça, il y a des gens qui s'agitent, qui disent, ouais, comme ça, ceci, cela. Mais vous vous agitez, regardez la vie du monsieur aujourd'hui. Tu as commis tes péchés, oui. Mais regarde ta vie. Regarde comment ta vie est devenue néant. Tu es le plus malheureux au monde. Tu peux dormir dans des hôtels de luxe. Tu peux rouler dans des grandes voitures, dans des belles voitures, mais tu es le plus malheureux au monde. Même celui qui est au village, mais il est plus heureux que toi. C'est ça qui est la réalité aussi. C'est la réalité des faits aussi. Donc, on ne peut pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas enlever des policiers en Côte d'Ivoire pour venir en Turquie, pour venir t'attraper. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt. La Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt. Partout où tu passes, on sait où tu es, on sait où tu te trouves, on sait comment tu vis. Il n'y a pas quelque chose que l'État ne sait pas. L'État a tous les pouvoirs, tous les moyens de savoir ce que tu es. Les États communiquent. Si toi, tu devais arriver en Turquie, en tant que qui? On ne sait même pas, tu as un passeport malien en ce moment. En ce moment, un passeport malien. Tu as un passeport malien en ce moment. Donc, si tu dois descendre en Turquie, c'est le mandat d'arrêt. La Côte d'Ivoire dit, mettez le mandat d'arrêt là en exécution. C'est pas la police ivoirienne qui va quitter Abidjan pour venir te prendre. C'est les autorités turques là qui vont donner le OK. Et c'est la police turque là qui va venir t'attraper pour te remettre à l'état, aux autorités ivoiriennes. Policier qui pas Abidjan pour venir pour dire oui, je suis le policier, bonjour, Galavou, bonjour monsieur. C'est adjudant chef au Kwao, ou bien c'est. Comment vous appelez ça, la commissaire Bangali, je suis venu attraper Soro. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est les autorités turques qui vont donner le OK. On dit le fugitif là, il paraît qu'il arrive chez nous aujourd'hui, on fait comment? Ok. Comme il arrive chez vous aujourd'hui là, il faut le sac bas directement et puis vous le déposez au consulat ou à l'ambassade du Côte d'Ivoire. Dans chaque ambassade, Soro, toi tu as dirigé quand même, tu étais premier ministre, toi tu sais. Est-ce qu'on a besoin d'arriver policier en Côte d'Ivoire pour l'amener en Turquie? Dans chaque ambassade des pays là, il y a un général là-bas. Il y a une armée là-bas. Dans chaque ambassade de chaque pays, là, il y a une armée là-bas. Enfin, il y a des militaires, il y a le corps qu'on détache. Donc, pourquoi on va enlever l'armée, une partie, bon, je dis l'armée, mais dans chaque ambassade, oui, il y a un corps qu'on dans chaque ambassade, là, il y a les gendarmes là-bas, il y a des militaires, les policiers militaires, il y a des commissaires là-bas. Il y a des généraux là-bas. Donc, on n'a pas besoin de soulever un policier à Abidjan pour l'amener en Turquie. La Côte d'Ivoire a un consulat ou a une ambassade. Donc, les autorités turques, quand ils te prennent, on te dépose là-bas. On te prend, on t'amène à Abidjan. Pour qu'on puisse bloquer ça, que ton avion est calé en l'air. Il faut nous respecter, Tito. Faut nous respecter. Hein. Les attachés militaires. Très bien, merci, merci, merci à Domenech France, merci. Les attachés militaires. Il y a des attachés militaires dans chaque ambassade, dans chaque consulat. Il y en a là-bas. Donc on ne peut pas enlever policiers en Côte d'Ivoire pour venir te prendre.
Les attachés militaires, quel est leur rôle? Ils sont là-bas. Pour dire que, commissaire, madame quoi, au Congo, et qu'il était en Côte d'Ivoire, il est bâti en Turquie pour aller attraper Soros. Il faut arrêter ce faux buzz-là, il est inutile. Il ne te sert même pas, il te dessert. Parce que nous-mêmes, nous, tu parles, mais on rigole. Et puis, c'est tellement ridicule que ça ne te sert pas. Maintenant, si tu dis que, ah, il y a un buzz des cancans qui est sur mes éléments. Pour tuer le buzz des cancans là-bas, c'est le gars, il enlève ses débats, le buzz là, est collé sur lui. Ça le fatigue. Le buzz de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Il y a un buzz de Jean-Michel Cancan qui est collé sur un de ses éléments. Donc ce buzz là, si tu veux le tuer maintenant, il faut dire, ah, il faut aller sauver le soldat Cancan. Pour sauver. Eh là, c'est un bandit. Hein. Pour sauver le soldat Kanga, Solé a envoyé un faux buzz. Ils disent son avion a disparu en l'air. Bon, les autres passagers qui sont venus, ils ont disparu et toi là-bas. Ou bien ils sont descendus. Ouais, Guillaume, c'est un bandit. Hein. Un voyou, ce gars-là. J'ai dit, oh. Guillaume Zoro. Il a dit, oh, ceux qui étaient dans la vieille étoile, en tout cas, demandé à son directeur, les autres qui étaient dans la vieille étoile, là, ils sont restés en l'air là-bas, ou ils ont descendu. Il y a un buzz de Jean-Michel Cancan. Kadi Sanou. Il y a un buzz de Jean-Michel Cancan. Qui est collé, si qui est Jean-Michel. Soro dit, bon, le buzz, ça ne quitte pas là. Voilà, ils sont restés dans le buzz. Il ne faut pas bien mon travail, mon Jossi. Voilà, Billon, hein? Billon avec affaire de Tiam. Là, moi-même, il est sorti même pour fracasser dans le buzz. Il dit, oh, mon avion est bloqué en l'air. Oh. Que, il y a un commando invisible. Mes amis, Soro voit le fantôme de IB qui le poursuit. Ce n'est pas le commando invisible. Soro paie à son âme. Eh, Ibe paie à ton âme. Soro ne dort plus. C'est le fantôme de Ibe qui poursuit Soro. Soro dit qu'il voit un commando invisible qui veut l'attraper pour l'amener à Bija. Soro, faut pas t'en devenir zézé d'amusement là. Le fantôme de Ibe Soro le voit partout. Il dit c'est un commando invisible. Non, hein, c'est le fantôme de Ibe qui te chasse. Quand Soro il dort, net, voilà, le fantôme de Ibe qui est devant lui, il saute. Ah, le commando invisible. Au secours, attrape. Faites le communiqué, ils sont venus m'attraper. Quand il marche, il a l'impression que. Il a l'impression qu'il est là. Il est là. Oh, c'est le commando invisible. Quel commando invisible? C'est le fantôme de IB, tu vois. Il n'y a pas de commando invisible qui était habillé pour venir te prendre. C'est le fantôme de IB. Mes frères et sœurs, allez-y dire à Kanka, à Jean-Michel et puis sa compagnie créole que c'est le fantôme de IB qui est en train de poursuivre Soro. Il n'y a pas de commando invisible quelque part. Il n'y a pas de commando invisible quelque part qui te poursuit. C'est le fantôme de IB que tu vois partout. Tu s'en bats, il s'en va aux toilettes où il est arrêté devant lui. Oh! Le commando invisible. Le commando invisible. Le commando invisible. Aïwa. Donc, Soro, il faut prier beaucoup. Ah. Non, on ne peut rien faire. Jean-Michel. C'est le fantôme de Ibé, tu vois. Il n'y a pas de commando invisible qui était habillé pour venir t'attraper. Non, 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 non. Jusqu'à dans le commando invisible, lui, il a bloqué l'avion, là, comme ça. Dans les nuages, bloqué. Avec tous les passagers à bord. Bon, mes amis,
En tout cas, c'était pour dire aux gens qui sont en train de croire que le faux buzz de Sorolla est une réalité que il y a des attachés militaires partout, dans chaque ambassade. Il n'y a pas un policier qui va quitter Abidjan pour venir quelque part. Si l'État de Côte d'Ivoire veut mettre la main sur Sorolla, ils mettent la main sur Sorolla à l'instant T. Et puis il y a Gbagbo qui est Gbagbo Laurent, on a mis la main sur lui, la Côte d'Ivoire n'est pas brûlée. Aïe! C'est pas Soro qui va effrayer quelqu'un. Je sais pas pourquoi les gens même s'amusent même. Il dit, Gbagbo là. Quelqu'un il s'assoit et dit, ma copine est pata, 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 ça arrive avec Gagoule. Les gens crient, ah! Il dit rien, les gens sont contents. On l'a attrapé à midi. Pour l'amener à Kourougou. Il n'y a pas eu quelque chose. On l'a enlevé là-bas. On l'a amené à la cour pénale. Il n'y a pas eu quelque chose à Abidjan. Blé Boudé, qui est Blé Boudé, là, il met casquette, il met sur le côté. Les gens tombent en transe, ils ne mangent plus, ils descendent dans les rues. Et il prend une casquette, là, il met en envers. Les gens tombent en transe, ils descendent dans les rues. Blé Boudé, là, il est parti au Ghana. Tu as vu le policier qui t'a bien pu les prendre. On a dit les autorités ghanéennes ont amené Blé Goudé à la DST, c'est-à-dire qu'au Ghana. De la DST du Ghana, là, il s'est retrouvé à la DST d'Abidjan. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Il faut regarder de la manière. Comme tu t'as assis, tu as dit que Blé Goudé est resté en exil. Il n'a qu'à rentrer de son pays pour venir répondre à la justice ivoirienne. Mais ça, il faut rentrer dans la justice ivoirienne. Là, tu sais donner conseil. Les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs, vraiment. Ah, tu donnes un conseil. Mais toi, tu n'appliques pas aussi le conseil là, toi-même. Faut rentrer, t'allais répondre. T'allais répondre. Quand c'est pour les autres, là, tu t'assois dans le canapé, tu sais parler. Tu n'es pas courageux, hein, Atito. Le Goudé est quitté en prison. Le voilà, il est en train de se promener. Il est venu à Paris, il se promène. Tu ne pas aller en prison, ta soldat te promène aussi. Remarquez, hein? Ils sont trois, il y a Soro, il y a Kanga Baby, il y a Blé Goudé. Le seul qui a fait prison, qui faisait prison tout le temps, là, c'est Blé Goudé. Les deux autres, parce qu'ils ont peur de prison. Ils ont peur de prison. Je ne sais pas comment ils font, puis ils échappent toujours à la prison. Soro, lui, ce sont ses amis qui font toujours la prison à sa place. C'est nous fou. C'est nous fou, est peureux. Hein? C'est nouveau, venir me charger. C'est nouveau, à peur de prison. Soro est peureux. Il a peur de prison. Oh, Soro, il n'y a rien à prison. Faut faire ta partie là-bas, pardon. Mais non, moi, les oranges là-bas. T'as dit, t'es notre auto où on n'a pas de choix. Moi, t'envoyer les oranges. On t'envoie orange auto où. Donc, voilà, mes amis. Pour dire que Soro a inventé un faux buzz. De deux, son Moussa Touré là, mais Touré Moussa là. Moussa Touré. Soro même est fatigué. Il ne faut pas prendre Soro comme Momi pour faire sacrifice, pardon. Le monsieur est fatigué, mais il est fatigué. Chacun prend un morceau de Soro pour négocier son affaire pour rentrer au pays. Chacun prend un morceau de Soro pour négocier son affaire pour rentrer au pays. Mais dans la réalité, là, vous avez plongé Soro dans Porto-Porto, il est assis dedans, dans le sable mouvant. Soro a ses pieds là, dans le sable mouvant. S'il veut bouger, ça s'avance. S'il veut bouger, ça s'avance. Mais vous faites bouger Soro pour que ses pieds s'avancent de jour en jour. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Moi, tout ce qu'il cherchait, il dit qu'il est à la Maca. Mais oui, quand il va à Abidjan, il passe le voir là-bas. Maca est mieux que ce pays. Hein. Ou bien vous préférez ce pays que Maca? Mes amis, mettez. Est-ce que vous préférez Maca ou ce pays, mais ce pays que Maca? Mettez ce que vous voulez, elle dit. On a quand même mené sur où? À la Maca ou à la CPI? Vous riez. Moi, je pose question, vous riez.
Répondez, on a ramené Soro à la Maca ou à la CPI. Et répondez, on se dit bonsoir ou bonjour, non. C'est là où on va amener les oranges, là. Non, on n'a qu'à l'amener à la CPI, puis on va les faire, on va libérer Soro, on va libérer Soro, on va libérer Soro. Ce pays est mieux, non? Nabitou Adjassila. Soro, toi, tu veux pas la gloire, là, aussi? La gloire des Gbagbo, là, puis maintenant, les panafricains vont faire les cas, ils vont partir avec les clés-clés. On n'a qu'à amener Soro à la CPI. Moi, cette fois-ci, là, même, là, voilà, ici, Soro, ça va, là, moi, je vais vendre mon dégât. Ah, ben les gars, rien dans ça. Hein. Ibrahim Roula. Les gars, rien dans ça. Et puis maintenant, on fait les pains avec photo de Soro dedans. Mon cher, moi-même, j'ai fait comité d'organisation. Il y a rien dedans. Hein. On va mettre les cas. Et là, on va aller louer les cas là. Les cas là vont faire 10 euros, 10 euros. On va venir vendre les billets des cas là. 50 euros, 50 euros. Tchaï! 400% zone blason. 50% zone blason. 400% des bénéfices. Soro, tu vois là. Le star comme ça là. C'est la première fois qu'il fait une vidéo comme ça. Où. Ton affaire là est rocambolée. Elle fait tellement rire. Non, Natacha Ponté. Vrai, on a qu'à. Les gens disent qu'on a qu'à t'amener à la CPI. Comme nous, on est en France ici, là, c'est à côté. C'est pas cher. Parce qu'à faire des manques à la caméra, le billet est cher. Hein. Actuellement, les classes éco sont à 1500. Donc, imagine le business. À monter dans les 4000 là-bas. Donc, là, c'est chaud pour nous. On se ramène à ce pays-là. Il y a un petit lit. Et puis, c'est pas comme Maca là-bas, c'est propre. Hein. Moi, j'ai fait un comité d'organisation. Dès qu'on dit que car pour partir, saluer Soro net, là, moi, je commence à mon comité, je lance le mouvement, je dis, oh, ça va saluer notre frère. C'est notre auto-ouli. L'auto-ouli des BT. Organisons-nous, hein, on va partir là-bas. On va libérer Soro, on va libérer Soro, on va libérer Soro. Et si devant même, casquette, tout. Chacun va faire son petit métier, nos petits bénéfices dessus. Les gens ont bouffé là dans ça avec des babous là. Donc pour Soros dans le bois là, voilà, il voit qu'il a gagné pour voir des années. Et des dieux. On va faire les concerts. On va demander aux Rasta africains à venir chanter pour Soros. Tout ça c'est concert. On va dire c'est soutien pour Soros. Franklin Yamsi va écrire beaucoup de livres. Il va trouver ses gars. Les gens payent le livre, ils n'ont pas lu, mais ils payent le livre de Franklin Yamsi. Il y a les soroïs, ils n'ont pas lu. Si, ils payent le livre là pour faire déco. Ouais. Donc, yo, en tout cas, j'ai dit. Moi, j'ai taillé mes oranges là, bien, 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 bien. Il dit non, 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 là, là, ça c'est pour Soro. Le reste là, maintenant, je vends. Soro, nous, on fait commerce. On a commerce, c'est que on fait commerce. Laisse seulement, tu vas voir. On va payer les huiles. On va aller voir les menteurs, les pasteurs là, pour dire que donnez-nous huile 7. Il y a huile là, c'est même pas, c'est fatigué, on paye. Il n'y a même pas huile de tournesol, même. On paye huile de colza. On met un peu de parfum dedans, les Saint-Michel, on met là, on dit que ça qui fait quitter en Israël. Israël même est découvert, ils sont en train de se battre là-bas. Mais il y a des gens qui disent que ils ont enlevé en Israël pour sauver les gens. Israël, même à son armée. Bon, mes amis, je vous souhaite une belle soirée. Allez-y vous coucher. Allez-y vous coucher. Ah. L'avion de Soro est calé encore là, il n'est pas encore atterri, il y a tous les passagers. Donc, on va attendre demain pour voir si l'avion a atterri. Hein? Et comme il veut faire beaucoup de bruit, Soro sait que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est à Paris pour un court séjour. Soro sait ça. Il a ses réseaux, il ne faut pas croire qu'il est informé, il a quand même ses réseaux. Ils savent.
que le président va arriver. Donc Soro veut faire un peu de bruit. Et bah Soro même, c'est le Moussa là. Moussa veut faire un peu de bruit, comme ça. Et voilà, dans, comment on appelle, dans ceux qui accompagnent le président là, il y a des éléments dedans. Ah, il va, on a qu'à appeler Moussa pour savoir. Comme il dit que Soro a disparu, il va donner un peu d'informations. Moi, je vais Moussa lui, Moussa Zegel. Moussa Garba. Moussa Zegen, lui, il est en train d'utiliser Soro comme Ngomi. Il fait Ngomi. Soro est son Ngomi de sacrifice pour négocier son Dabali. Yeah. Moussa Garba. Mes amis, bonsoir. Merci. On se dit à demain. Aïta, sinon voilà. Comme on dit à demain, là, écrivez à demain. Là. Chacun a quand écrit à demain dans son netini. Si on s'est quitté ici, là. Comment on écrit à demain dans son netini? Je sais qu'à demain, là. En violon, on dit ah ben sini. Tu vois ça? Ah ben sini. Ah ouais, on dit à mon violon, joy a été glaé. Ah, ça l'a fait. Ça. Écrivez ici maintenant. Tout le monde est bloqué. Tout. Vous et votre avion aussi est bloqué. Bon. Votre avion est bloqué. Bonsoir. À demain, les amis. À demain. Notre Touli là. Demain, il va nous dire si notre avion a atterri. Il est à la CPI aussi. On s'en va le voir là-bas. À demain.